Daniel. Aujourd'hui, nous allons parler de Hélène, un film de Suleyman Cissé, un film malien sorti en 1987. Et à vous l'honneur. Alors, Hélène de Suleyman Cissé retrace en fait le parcours initiatique d'un jeune homme, Nyanankolo. Qui veut dire protégé de Dieu, au passage. Merci. Important l'histoire. Et Nyanankolo, en fait, au cours de son voyage initiatique, va rencontrer énormément de monde. Il est poursuivi par son père, Soma, qui veut absolument le tuer. Pourquoi ? Soma veut le tuer pour des raisons familiales, c'est-à-dire qu'il a pris les pouvoirs ancestraux et a montré, a dévoilé la société du Komo. C'est donc pour ça que son père Soma le suivra tout au long du périple de Nyanankara. Mais évidemment, on ne dira pas c'est parce qu'il lui a enlevé son mojo, hein, sa vigueur, sa vivacité, son... Enfin voilà, non, le pilon c'est magique, c'est pas du tout ça. Hein. Le pilon magique, en fait, donc, c'est un objet, comme son nom... De la drogue. Magique. Excuse-moi. Magique. Mais il y a la drogue dans ce film. Absolument. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors Nyanankolo va droguer la femme. Attends, explique un peu comment t'en arrives là quand même, ce serait sympa. Et on arrive là... Ah oui. Ça tourne. Ouais, ça tournait en fait, c'est pas... Coupé. Non, mais si tu passes devant ton vachin, je sais pas, tu fais un truc... Ouais, je sais pas, dans ton cul, fais quelque chose, quoi, merde. C'est pas productif, ça. Donc, oui, tu nous parlais donc de la séquence 8, ou bien encore... Tiens, d'ailleurs, tu sais quoi? On a l'intéressé, la personne qui a analysé cette séquence dans la pièce. Natacha, veux-tu nous rejoindre, le faire? Bonjour. Nous disions, nous allons parler aujourd'hui d'un film. Un film malien. Un film malien réalisé par... Très sensuel. Réalisé par Suleyman Cissé. Tout en finesse, c'est-à-dire qu'il ne baisse pas. Ah, merci. Intérieur. Vous voulez le présenter, voilà. Natacha? Très bien. Non, mais allez-y, je vous en prie, peut-être. Donc, il était bien parti, je pense. Hélène de Suleyman Cissé, film malien réalisé par Suleyman Cissé en 1987. Grand prix du jury à Cannes. Vas-y, fais péter le truc. Grand prix du jury à Cannes. Alors, c'est là où c'est génial. Pour une fois, un grand prix du jury à Cannes nous parle de sexe. Sexe, mais je veux dire... Oh, excusez-moi, mais pour une fois, je veux dire, tous les Français sont basés sur le sexe. Hein, je veux dire, c'est pas le premier film. Il faut dire aussi que... Le truc, c'est que là, c'est vraiment très, très tôt. Vous voulez que je m'occupe de la mise en scène, c'est ça? Oh non, c'est moyen. Au secours. Bon alors, excusez-moi, est-ce qu'on peut revenir sérieusement à la séquence 8? Celle où il la... Non, il la prend pas. Bah oui, mais voilà, il la prend, donc ça, c'est net, attendez. Son sexe trahit. Voilà. Paul vient de lancer, comment dire, cette fameuse analyse. Alors, voilà, c'est une séquence vraiment très poétique, comment dire, où il y a une délimitation entre les... Donc en fait, on pourrait même lancer un débat sur le fait que l'homme ne puisse pas contrôler lui seul son sexe. Ah non, c'est vu. Non, oui, je ne peux pas contrôler mon sexe. Non, mais oui. Non, mais Nathalie, on... La régie nous fait signe qu'il faut vraiment qu'on arrête de dire des conneries. Ah. Mais la régie, on l'encule. Non, on a dit qu'on arrêtait avec la tsunami. Non. Donc alors, donc j'étais en train de relire en fait ton analyse. Et donc dedans, donc, tu nous dis quand même que tu nous dis qu'il y a de la poésie. Tu nous parles quand même du désert. Tu nous parles de lignes quand même épurées. Enfin quelque chose de très, comment dire, finalement, oui. Oui, tout ça, c'est par rapport au sexe. Les lignes de mal. Vous devez avoir l'esprit mal placé pour me comprendre. En d'accord, fait. D'accord. Vous voyez, je prends un mot au hasard. Tout en ellipse. Par exemple, tout en ellipse, l'ellipse, la lune, les fesses. Justement, voilà. C'est justement ce que je suis en train de me dire. L'acte sexuel. Quand vous dites monter en queue sans effet. Voilà, pareil. Bon, c'est la même chose, évidemment. Bah oui, bien sûr, effectivement, monter, voilà, c'est. D'accord. Et alors, non, pour revenir plus sérieusement, on parlait d'une dimension magique. Voilà, avec par moyens exemple, atout en contre-plongée. On voit bien que c'est pour montrer les formes voluptueuses de la femme. Oui, totalement. De la femme. Mais qu'est-ce que tu fous? Tu veux bien faire un gros plan sur notre abruti, hein? Oui, c'est ce que je fais. Paul, vous... Tu veux bien mettre ça? Très bien, donc... monsieur a décidé de nous montrer la position de la sodomie, mais tout en protégeant ses fesses. Là, le vote. Alors, il y a des lignes... des lignes verticales et horizontales. Allez, les lignes font partie de notre vie, ça, non, c'est clair. Non, je ne... La régie demande à Paul de retourner sous cette putain de table. D'accord. Allez, casse-toi. Nathan, t'es moche. Je peux plus.
Voici. Et du coup, voilà, effectivement, le père traque Nanyanko durant tout le long métrage, où il essaye effectivement de le tuer à l'aide de son pilon magique. Oui, donc effectivement, il a un petit peu pris de deuil avant, parce que je vous assure que comme ça, l'histoire tient la route, mais en réalité, on se demande où on est quand on regarde le film, quoi, je veux dire. On se dit, c'est quoi ce bordel, quoi. Genre, vous avez des poules qui brûlent. Des chèvres qui sont tenues par une corde par des petits enfants. Des albinos qui marchent à l'envers. Je veux dire, voilà, effectivement, Souleymane Cissé a un peu pété son string, quoi. Genre, non, pété son câble, excusez-moi. Et si notre émission câble, s'appelle. String, c'est des fils, mais je me permets de vous couper. Si notre émission s'appelle Lecture anale d'un film, c'est évidemment parce que nous allons parler de la seule scène de sexe de ce film. Évidemment. Alors, pour ceux qui seraient intéressés, les audios, n'importe qui est là. Bon, j'ai rien dit. Donc, nous allons parler de la séquence suite. Alors, je vous cite, hein, ça c'est les... Ok. Alors, poétique, dans un désert, aux lignes épurées... Écoutez-moi, je propose... Poétique de science. Je propose que quelque chose, c'est qu'on prenne Michel. Un regard extérieur à l'émission, et qu'effectivement, on demande à une des élèves du lycée, Marie-Joseph, de nous rejoindre ici, absolument. Sur ce plateau. Sur ce plateau, je crois entendre que nous avons une personne se nommant Manon Drouan. Manon Drouan, veuillez rejoindre le plateau. Merci. Alors, je vous en prie, je vous laisse, ma classe. Il n'y a pas de soucis. Bonjour Manon. Bonjour Manon. Voilà, donc effectivement, on disait qu'avoir un regard extérieur par rapport à la scène de sexe de Yélène de Souleymane Cissé, vous pourriez nous dire votre avis sur cette scène. Votre avis sur cette scène, voilà. Alors, comment est-elle réalisée, est-elle suggérée ou est-elle montrée de manière violente? Polo, tu fermes ta gueule. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette scène? Cette scène est très subjective et très belle, très poétique. Mais on aurait aimé avoir un peu plus d'arbre, parce qu'on est un petit peu déçus Elle demande quelque chose de fort, de sensationnel. Exactement. Paul, la régie m'envoie un message. Il me semble que Manon, vous désirez, enfin, à votre majorité, devenir ardeuse, vous aussi, vous faire sodomiser par des grands blacks. Non, pas du tout, c'est prison. Non, si elle veut, évidemment. Louise, vous voulez faire partie du grand monde du Havre? J'ai cru comprendre qu'elle aussi était élève en Audiovisuel et serait capable de... Je veux dire, ça nous intéresse énormément, quoi. Natacha, c'est sûr, c'est ça, pour rentrer dans le monde du cinéma? Non, moi je suis passée par devant, personnellement. Non, t'es passée par derrière. D'ailleurs, j'ai toujours refusé. T'es passée par la grande porte. C'est un trou d'entrée, un trou de sortie, ça reste un trou de sortie. Oui, je rappelle qu'un trou reste un trou, restons dans le contexte. Après, je ne sais pas pour moi si Nyanenkoro l'a enculé, je veux dire. Moi, je pense pas. Là, on parle de sodomie. Je pense pas qu'il la sodomise, en fait, parce que finalement, c'est qu'on dit anal, mais en fait, finalement, le mot est mal choisi. Parce que bon, moi, après, elle va quand même avoir un gosse, donc ce gosse, ça sera un putain de bâtard fait en mariage, tu vois. Déjà. Donc là, lui, il est foutu. Ouais. En plus, il a pas au début du film, non mais je vous dis, film de taré, le mec il est pas encore né, il arrive, tu vois, tranquille, il a une chèvre à la main. Je veux dire, déjà son sexe le trahit en début de scène. Ouais, donc revenons sur le sexe, pardon, moi je m'ébade. Alors, on disait par contre techniquement qu'il lui file de la drogue. Mais oui, bien sûr, mais vous avez vu, tout de suite elle se déshabille et tout. LSD, moi je pense que c'est. Comment s'appelle la drogue du viol déjà, Du GHB. Du GHB, ouais, moi je pense que c'est. Polo, du GHB. Tu connais ça, non? Tu connais le GHB, je connais très bien, même. Manon, on a parlé il y a pas longtemps. vous parlez de la petite stagiaire. Oui. Manon, je vous donne un conseil, ne buvez pas du tout le café qui vous a servi. Oui, non, oubliez. Donc on disait, donc GHB. Parce que sinon vous allez oublier, quoi. Voilà. Donc voilà, donc non, il lui a filé du GHB, je pense, parce que tout de suite elle a chaud et elle a envie de le sauter, mais un truc de ouf. Ah, donc, ça se voit, ça se lit dans son regard, quoi. Genre, je te veux, tu vois. Genre. Sauf que à ce moment-là, Nyanenkoro ne pense pas avec sa tête, mais pense surtout avec sa bite. Tu peux le dire plus poliment en disant qu'il pense avec son sexe. Son sexe. Moi, je pense qu'il faut être cru. Son sexe qu'il a fortement trahi durant. Ah oui, très fortement trahi, d'ailleurs. Je pense qu'on n'est pas payé pour faire des conneries pareilles. Donc, non, stop. Oui, là, ça devient tout de même un petit peu gênant, s'il vous plaît. On aime le sexe, mais bon, un atout pour réussir. Ouais. Non, d'accord. Mais il me semblait pourtant que je vous avais vu dans les bestiaires avec le... Non, vous avez pas osé, avec le directeur. Oui, mais enfin, bon, écoutez, faut passer, voilà, c'est... Les canons et tout, je veux dire, bon, voilà, c'est tout. Les canons, avec ses slips cambourés, sa gueule qui tombe. C'est ce que vous pensez. Moi, je vous assure que les canons, et putain, lui, pour le coup, c'est pétoli,
Bon, j'étais obligé de passer par là, de toute façon, pour arriver sur ce plateau. Donc, ouais, c'est... Faut bien se faire connaître, hein. Non, ne vous en faites pas trop, ça marche pas pareil. Ouais, c'est... Ouais, en fait, c'est mieux que tu m'appelles Nathalie, parce que là, je... hein, ouais, c'est mieux. Un petit pseudonyme, quoi, genre, pour pas que les gens me reconnaissent. Natacha, c'est vrai que ça fait un peu... Natacha, c'est une coquine. Pardon. Petite référence à d'autres... Une autre émission de télé. Non, c'est bon, le plateau qui est là-bas. Mais et comme vous avez pu le voir, Manon s'est lâchement désisté. Alors maintenant, ouais, d'ailleurs, allez, nous allons faire un café. Tiens, à bientôt. Oui, moi, ça m'intéresserait énormément de voir une grosse chienne. De voir une grosse chienne. Charlène de Villèle, s'il vous plaît, je vous appelle sur le plateau. Attendez, je crois que la régie me dit oui, nous n'avons plus de temps et Charlène est partie, d'accord. Elle est partie. Ah, je crois qu'elle est partie quand on a entendu chienne. Moi, je vous propose qu'on se rejoigne la semaine prochaine pour parler d'un autre film sexuel. Bien sûr. Voilà, si vous avez une idée de film, tout de suite, on va parler de Winnie l'ourson. Ouais, de Winnie l'ourson, la semaine prochaine. Sexe, la zoophilie dans Winnie l'ourson. Voilà, la semaine prochaine, on se retrouve donc pour parler de la zoophilie dans Winnie l'ourson. Merci beaucoup, merci Natacha. Bah, merci à vous. Merci Paul. Bien là. C'était Lecture anale d'un film. À la prochaine.